Zinyari, chef-lieu de la région du Plateau central. Ici, le respect du port obligatoire du masque traîne le pas. Une désobéissance due à plusieurs facteurs, à en croire les citoyens de la ville que nous avons pu approcher. Je n'ai pas parlé parce que bon, je suis bon dans mon lieu de travail, donc je travaille ici. Donc bon, et à mon avis, selon moi, je pense que si je dois partir, par exemple, à quelque part là où il y a trop de monde ou bien quoi, donc c'est ça, je suis obligé de porter le masque. Bien, moi, comme je suis dans mon atelier de couture, bon, je suis pas obligé comme ça. Bon, c'est obligé, mais bon, je trouve que bon, avec comme il n'y a pas trop de monde ici, bon, je suis confiant, quoi. Si je porte ça là, ça me donne la difficulté de respirer. Je paye ça avant-hier à 300, vous voyez. À 300, hein? L'original là, si on veut, ça ne sait pas 500. Je ne sais pas si c'est hier, si c'est, ils ont donné le prix, c'est à 500. À l'heure où nous sommes là, on ne travaille plus. Tu vas prendre 500, payer masque, porter. Oh, pourtant, il y a rupture. Je suis en carême comme ça. Le soir, il doit faire rupture. Il doit payer des trucs pour aller manger. Et payer encore pour faire toute la carême de demain encore. Si vous voyez, avant-hier, je payais ça à 300. Aujourd'hui encore, je peux payer à 300. Bon, ça va me coûter cher. Si je porte ça comme ça, là. Et puis, il y a un odeur derrière, comme ça dégage, ça me donne la nausée. Je lave, lave en personne. Bien. Pour ça, c'est que les tailleurs font que nous, on peut payer. Par ça, on paye. Même si la ville enregistre pour l'heure quelques contrevenants, certains par contre se réjouissent de cette mesure qui va pour eux contribuer à freiner la propagation de la pandémie du COVID-19. Je crois que c'est une bonne décision. Hein. Quant à moi, c'est une bonne décision. Il faut que on oblige les gens là à déporter ça obligatoirement pour éviter la contamination. Oui. Si vous pouvez essayer de voir le gouvernement là-haut, ils vont nous aider plus avec beaucoup de cache-nez. Comme ça, on peut partager les gens au lieu de partir payer là. Parce que les gens n'en ont pas. Et puis, là même, ça ne va pas chez tout le monde. Les commerçants, les marchés sont fermés. C'est compliqué. Mais si eux, ils avaient de l'eau qu'ils pouvaient vous donner, des étanchions, pour que vous pouvez, genre, à l'heure, il y a trois personnes qui sont là, ils n'en ont pas. Vous pouvez les partager. Interrogé sur la question, l'autorité communale salue cette initiative, mais pense que le prix de 300 francs CFA fixé par le gouvernement n'est pas à la portée de tous. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de suspicions autour de cette nouvelle mesure. Premièrement, c'est quoi? C'est la non-gratuité des masques. Parce que quand on dit c'est obligatoire, cela suppose qu'on a créé les conditions pour que ce qu'on veut soit obligatoire. Du moment où, quand vous regardez ces temps qui courent, il y a un problème de ressources qui se pose. Et d'ailleurs, il y a ces personnes vulnérables, il y a ces personnes déplacées qui sont dans ma commune au nombre de plus de 948. Quand vous demandez à ces populations, pauvres, de pouvoir se doter. Parce que quand on est à un certain niveau, on dit que non, une bavette coûte seulement, on va dire seulement 300 francs. Mais si on est avec la base, on sait que 300 francs est énorme pour une population pauvre. Donc, à ce niveau, je pense que il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. C'est vrai qu'on a dit qu'il y a des bavettes qui seront mises à la disposition des personnes vulnérables, mais je pense qu'on devrait travailler à disponibiliser ces bavettes avant même l'entrée effective de cette mesure. On rappelle, depuis ce 27 avril, une décision gouvernementale imposait le port obligatoire de masques ou cache-nez sur toute l'étendue du territoire. Et pour faire face à la demande, des unités de production de masques locales sont à pied d'œuvre pour satisfaire la population.